Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sur Instagram. Voilà, l'une de vous me pose pas mal de petites questions et je lui ai dit que j'allais faire une vidéo dédiée à ses questions. Voilà, comme ça, ça pourra peut-être vous intéresser aussi. Donc, je vais commencer avec la première question. Elle me demande, est-ce qu'on peut publier un livre lorsqu'on est mineur? Alors oui, vous pouvez, sauf que le contrat devra être signé par la personne qui est légalement en charge de vous. En général, ce sera vos parents, mais oui, vous pouvez publier un livre en étant mineur. La deuxième question, c'est si on veut faire traduire un livre, comment est-ce que ça se passe? Alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout, parce que moi, forcément, je suis publiée en maison d'édition, et si par chance une maison d'édition étrangère voulait traduire mon roman, ça se passerait entre ma maison d'édition et la maison d'édition étrangère, donc moi je n'interviendrai pas du tout là-dedans. Bien entendu, je toucherai de l'argent par rapport à ça, mais voilà, je m'en occuperai pas. Pour ce qui est de la traduction via l'autopublication, donc si vous autopubliez vos livres, je pense que vous devez faire tout simplement appel à un traducteur. Et je crois que ça coûte quand même assez cher hein, de faire traduire un livre, mais voilà, je crois que ça se passe tout simplement comme ça. Alors, troisième question, comment faire connaître notre livre sans forcément passer par nos proches? En fait, le truc, c'est que quand vous êtes publié en maison d'édition, c'est la maison d'édition qui fait votre promotion. C'est dans ses attributions, elle gagne de l'argent sur vos ventes, donc c'est dans son intérêt aussi de promouvoir vos livres. Après, de ce côté-là, toutes les maisons d'édition ne se valent pas. Certaines font de très bonnes promotions par rapport à vos bouquins, d'autres font rien du tout. Et vous devez un peu vous débrouiller tout seul si vous voulez espérer vendre un petit peu de livres. Dans mon cas, mon premier roman, Utricia, qui a été publié chez Rainbow, tout ce qui est promotion, il n'y en avait quasiment pas. Voilà. Il n'y avait pas de démarche forcément d'envoi de livres à des blogueurs, etc. Par contre, ici chez BMR, voilà, pour mon dernier roman Wolves, là il y a quand même un travail de promotion très conséquent, puisqu'il y a des romans qui sont envoyés à des blogueurs pour que les blogueurs les lisent, en fassent des photos, mettent sur Instagram, en parlent en vidéo, mettent des commentaires sur Amazon, etc. Il y a quand même tout un travail qui est fait, il y a des séances de dédicace qui sont organisées, etc. Donc voilà, moi j'ai jamais fait appel à mes proches pour promouvoir mes livres. D'ailleurs, il y a très peu de proches qui ont acheté mes livres en fait, pour tout vous dire. Mais voilà, moi j'en ai déjà parlé, mais moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous créer déjà une page auteur Facebook, une page auteur Instagram, une chaîne YouTube si vous pensez pouvoir être à l'aise en vidéo. Et c'est vraiment la meilleure façon de faire, je pense, c'est de se créer sa communauté en se créant un écosystème, si vous voulez, en essayant d'être un petit peu partout sur tous les réseaux sociaux pour essayer, voilà, de vous faire connaître un petit peu partout. Et s'il y a un réseau social qui fonctionne mieux qu'un autre, en fait ça fait effet boule de neige, quoi. Voilà, s'il y en a un, si vous réussissez à décoller sur Instagram parce que vous faites de super photos par exemple, les gens vont peut-être du coup bifurquer sur votre profil Facebook, bifurquer sur votre chaîne YouTube, etc. Mais voilà, moi personnellement, je n'ai pas du tout fait appel à mes proches pour promouvoir mes livres. Alors, sa quatrième question, je pense, c'est comment écrire une histoire avec comme protagoniste un anti-héros. Alors, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur quand votre héros est le méchant de l'histoire. Je sais plus très bien comment je l'avais appelé cette vidéo. J'essaierai de vous la retrouver, de vous mettre ici dans le petit i. En fait, c'est de la. Il n'y a pas de façon de faire différente de voilà, votre héros principal c'est le gentil en fait. C'est juste que vous devez développer votre héros en sachant que c'est le méchant. Donc forcément il va falloir démontrer en quoi il est méchant, pourquoi il est méchant. Vous pouvez essayer ou pas de créer de l'empathie chez le lecteur. Donc voilà, si vous démontrez qu'il est méchant parce qu'il a vécu des sévices dans son enfance, peut-être que du coup le lecteur sera un petit peu, on va pas dire compréhensif, mais enfin, je crois que vous voyez un peu ce que je veux dire par rapport à lui. Et voilà, mais il n'y a pas vraiment de façon de faire qui diffère par rapport à si votre héros c'est le gentil en fait. Et finalement, la dernière question, je pense, c'est comment trouver du temps pour écrire et arriver à se concentrer dessus. Donc, tu me mets que j'ai vite tendance à partir dans mon imagination. Mais j'ai envie de te dire que le temps, trouver du temps pour écrire, ce sera toujours compliqué. Peu importe votre situation, peu importe votre âge, ça va être compliqué. Pendant que vous êtes aux études, je sais que je reçois souvent de commentaires qui disent « Ouais, mais moi je suis à l'école, je suis aux études, j'ai pas le temps d'écrire. » Mais je peux vous jurer, parce que je suis passée par là, que quand vous êtes parent,
que vous devez travailler à temps plein toute la journée et que vous devez encore vous occuper de vos enfants le soir, en plus de la maison, en plus de tout le reste, si vous avez, vous voulez quand même voir vos amis de temps en temps, si vous avez un mec, une copine, peu importe, c'est encore pire que quand vous êtes aux études en fait. Dites-vous que quand vous êtes aux études, vous avez beaucoup, beaucoup de temps en fait. Après vous en avez encore moins. Donc en fait ce qu'il faut faire tout simplement c'est se discipliner. C'est-à-dire se dire ben voilà, je m'octroie tous les jours de telle heure une demi-heure d'écriture. Ou le matin, avant de commencer votre journée, vous vous levez une demi-heure plus tôt et vous écrivez. Le truc c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut se discipliner. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous vous dites bah je vais écrire quand j'aurai le temps, ben en fait vous n'allez pas écrire et vous n'allez jamais finir votre projet. Il faut vraiment, la discipline c'est primordial je pense. Quand on veut être écrivain, en fait peu importe ce que vous voulez faire, peu importe vos objectifs de vie, si vous voulez apprendre un instrument de musique, si vous voulez apprendre le dessin, peu importe, si vous n'êtes pas discipliné, vous n'y arriverez pas. Il faut se forcer et il faut se voir ça en fait, cette passion, il faut la voir comme quelque chose de professionnel. Voilà, vous devez faire, par exemple ici dans le cas de la fille qui est donc étudiante, tu rentres chez toi, tu sais que tu dois faire tes devoirs. Tu sais que tu as 3 devoirs à faire, tu as 2 leçons à apprendre. Tu sais que ben voilà, tu vas devoir t'y consacrer pendant 2 heures. Et ben dis-toi que pendant une demi-heure, tu vas devoir te consacrer aussi à l'écriture. Tu dois voir ça comme quelque chose de professionnel. Voilà, sinon je pense que aucun projet n'arrivera à son terme en fait. Et par rapport à partir trop dans l'imagination, c'est pas, j'ai pas vraiment de conseils à donner par rapport à ça parce qu'en fait moi c'est un problème que je n'ai jamais eu. Je crois que je vais faire une vidéo là-dessus parce que je pense qu'il y a 2 types d'écrivains par rapport à ça. Ceux qui ont en fait une imagination extrêmement débordante et où, dans laquelle ils ont tout le temps de nouvelles idées. Et puis il y a les autres où ils doivent se forcer pour avoir des idées. Moi je fais partie de la deuxième catégorie, je dois me forcer pour trouver des idées. Ce qui fait que je ne suis jamais envahie par plein d'idées et plein de nouveaux projets en fait. Si vous avez beaucoup d'imagination, moi ce que je peux vous conseiller de ce que je vois, de ce que les autres font, c'est de prendre un carnet et de noter vos nouvelles idées. Dès qu'une nouvelle idée vous vient en tête, vous notez tout ce qui s'y rapporte. Ça vous permet comme ça de ne pas perdre cette idée. Votre cerveau se dit ok c'est bon, elle a pompé l'idée, elle en a pris compte, elle l'a écrit quelque part, je peux maintenant me reconcentrer sur le projet en cours. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre. J'ai déjà fait une vidéo sur la discipline. Je vous la mettrai aussi dans le i ici parce que je pense que ça pourrait vous intéresser si vous ne l'avez pas vu. Être discipliné, c'est pas facile, mais c'est une nécessité. Vraiment, si vous n'arrivez pas à être discipliné, moi je pense qu'on ne peut pas accomplir en fait ses objectifs. Il faut mettre la discipline au cœur de sa vie, vous n'avez pas le choix. Et le fait comme ça de vous concentrer sur un projet, même si vous avez des nouvelles idées en tête, le fait de vous répéter « Non, je dois rester focus sur mon projet, je reste focus sur mon projet », vous le répétez encore, encore et encore. Et voilà, je pense que c'est la seule façon pour arriver à vraiment pas se laisser envahir par d'autres projets. Et voilà, vraiment rester focus sur son histoire en cours. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, que j'ai bien répondu aux petites questions qui m'ont été posées. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez que ça pourrait être utile à d'autres personnes dans votre entourage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!